Richie McCaw a très vite eu le sens des responsabilités. Président du conseil des élèves de son lycée, il obtient brillamment son baccalauréat en sciences de l'agriculture avant de choisir la voie du rugby. Champion du monde 1999 avec l'équipe de Nouvelle-Zélande U19, il fait ses débuts professionnels dans le championnat domestique dès la saison 2000. Il joue son premier match en Super Rugby avec les Crusaders et enfile son premier maillot des All Blacks en tant que titulaire lors d'une victoire 29-40 en Irlande. McCaw n'a encore que 20 ans, mais il est déjà un élément indispensable du système néo-zélandais. Si Richie McCaw s'est imposé aussi vite dans le collectif des All Blacks, c'est avant tout parce qu'il possède de grandes qualités rugbystiques. Doté d'un physique standard pour un troisième ligne, 1m88 pour 104 kg, il est l'un des plus grands spécialistes de la défense dans l'histoire du ballon ovale. Régulateur du premier niveau, plaqueur hors pair mais surtout un véritable poison dans les phases de ruck. Il a rendu fou de nombreux adversaires en étant souvent à la limite de la règle. Une intelligence qui lui servait également sur les phases offensives. Soucieux de faciliter le travail de ses coéquipiers, Richie McCaw savait être au soutien, proposer les bonnes courses et déblayer efficacement pour fluidifier le jeu des siens. Ce sont ses sens du collectif et du sacrifice, couplés à son leadership naturel, qui l'ont amené à devenir en 2004, en l'absence de Tana Umaga, l'un des plus jeunes capitaines de l'histoire des All Blacks, à seulement 23 ans. Capitaine officiel à partir de mai 2006, McCaw conduit les Néo-Zélandais à leur pire résultat en Coupe du Monde lors de l'édition 2007, où ils sont éliminés en quart de finale face à la France. À l'instar du sélectionneur Graham Henry, McCaw est critiqué, jugé, incapable de transcender l'équipe et de s'adapter en cours de match. Les deux hommes sont finalement maintenus à leur poste, décision qui va s'avérer payante. Après 4 années mitigées où les Blacks ne remportent que 2 fois le Tri-nations, la Coupe du Monde est de retour en Nouvelle-Zélande pour la première fois depuis 1987. Alors qu'il vient de passer la trentaine et qu'il est au sommet de son art, après avoir été élu meilleur joueur du monde en 2009 et 2010, McCaw est le premier All Black à atteindre les 100 caps lors du match d'ouverture contre la France. Il est le leader d'une équipe qui survole la compétition à domicile, gagnant largement tous ses matchs jusqu'à la finale. Les Blacks s'y imposent d'un tout petit point face aux Bleus 8-7 et McCaw peut enfin brandir le trophée Webb Ellis pour la 2e fois dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Une délivrance pour tout un peuple.